Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, vidéo ciné rétro, les vidéos où l'on rend hommage aux grands films de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, hommage au chef-d'œuvre de Franco Zeffirelli, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, donc film de Franco Zeffirelli réalisé en 1977, inspiré tout droit bien sûr des saintes écritures de la Bible et du Nouveau Testament. Quand je dis que le film est réalisé par Franco Zeffirelli, c'est vrai, mais également de la télévision italienne, donc la RAI. Je m'explique, la télévision italienne, donc la RAI, imagine un projet colossal, faire un feuilleton, une série télé sur la vie de Jésus, tirée en longueur, avec une durée de plus de 6 heures. Pour cela, ils auront besoin tout d'abord de l'autorisation du Vatican. Pour moi, personnellement, première nouvelle, je ne savais pas que pour faire des films sur la vie de Jésus, il fallait préalablement demander l'autorisation au Vatican. Je doute pour faire son film La Dernière Tentation du Christ, ou même Mel Gibson pour La Passion du Christ. Même si Mel Gibson, je m'en souviens très bien, avait lui quand même eu une entrevue avec le pape. Je me demande si c'était pas encore le pape Jean-Paul II à l'époque. Enfin bref, avec le pape. Mais il me semble que cette entrevue avait eu lieu après le tournage, juste avant l'avant-première ou juste après la première. Avec tout ça, en fait, le fait est qu'à l'époque, en tout cas, il fallait demander l'autorisation au Vatican. Donc, pour faire ce film, l'autorisation fut rapidement acceptée par le pape lui-même, à l'époque le pape Paul VI, mais qui demanda quand même à ce que le réalisateur du film soit un catholique pratiquant. C'est là donc que la production italienne s'est tournée sur Franco Zeffirelli, reconnu comme étant un homme pieux, catholique et pratiquant. On en vient donc au casting, et quand je dis que le Vatican a donné son accord, manifestement, moi perso, il me semble qu'il a quand même donné un peu plus que son autorisation. Il me semble qu'il a donné aussi un petit budget. Rendez-vous compte, écoutez les noms du casting. Pour l'époque, c'est du lourd, du très lourd. C'est limite même de l'impayable. Nous avons quand même Christopher Plummer, Ernest Borgnine, Laurence Olivier, James Mason, James Farantino, Anthony Quinn, Michael York, Claudia Cardinale, Peter Ustinov et surtout Robert Powell dans le rôle de Jésus. Lieu du tournage. Le lieu du tournage, trois pays, deux continents, le Maroc et la Tunisie pour l'Afrique et le Mexique pour l'Amérique du Nord. À partir de ce moment-là, le film pouvait commencer à être présenté, et il sera présenté, mais vraiment dans tous les formats. Tout d'abord en format raccourci, c'est-à-dire pour une durée de 2h30, pour son passage, un très bref passage dans les salles de cinéma. Ensuite, il sera présenté en version longue, plus de 4h. C'est surtout dans les vidéoclubs de l'époque que l'on rencontrera cette version du film. Je me souviens très bien à l'époque qu'il était divisé en deux cassettes, partie 1, partie 2, 2 heures chacune. Et puis finalement la version intégrale, plus de 6 heures de film, présentée la première fois donc en 1977 pour le long week-end de Pâques sur la chaîne italienne de la RAI. Donc 6h20 de film répartis quand même en 4, donc le vendredi saint, le samedi, le dimanche et le dernier épisode pour le lundi de Pâques. Voilà donc ce qui devait donner au départ une grande série télévision devient en fait un grand film, un péplum à part entière. Et en image, ça donnait ça. C'est une bande-annonce que l'on vous présente ici, une bande-annonce tirée de la version longue remasterisée, je pense, de l'année 2019. Regardez plutôt.
the Lamb of God, who takes unto himself the sins of the world. Give me of this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Voilà, comme je vous le dis, ça ressemble vraiment à un film historique, épique, formidable, et vous le voyez dans les images, surtout Robert Powell qui éclabousse de sa présence, de son regard, tout le film. Robert Powell, il méritait quand même ici dans cette vidéo un chapitre à lui tout seul. Donc une petite présentation sur Robert Powell qui a une fameuse histoire aussi concernant ce film. Robert Powell donc en fait est un acteur anglais né en 1944. C'est un acteur qui était surtout reconnu à l'époque pour jouer dans des feuilletons, souvent des feuilletons britanniques. Il s'est présenté, figurez-vous les choses de la vie, il s'est présenté au casting de Zeffirelli pour jouer le rôle de Judas. Et c'est en croisant le regard de Zeffirelli, lui-même avouera avoir été troublé par ses yeux, que Zeffirelli le choisit carrément pour jouer le rôle de Jésus dans son film, on peut le dire, le rôle de sa vie. Un rôle qui le fera souffrir énormément,
Tout d'abord dans sa vie professionnelle, puisque en effet, il sera toujours prisonnier de son personnage, et puis dans sa vie personnelle aussi, puisque il n'a sans cesse jamais arrêté d'être harcelé par les fans du film, souvent les personnes très catholiques, très pieuses. Rendez-vous compte, il avouera dans une interview que vous pourrez d'ailleurs découvrir dans son intégralité en dessous de la vidéo dans le descriptif, dans une entrevue, une interview donc pour un journal catholique, où il explique en gros que tout le long de sa vie, il a tenter sans cesse de dire à tous ces gens qu'il n'était pas le Messie, qu'il n'était pas Jésus, qu'il n'était pas pratiquant, il n'était même pas catholique, il était juste malheureusement accro au tabac et surtout à l'alcool. Donc voilà, ça nous amène tout de suite aux récompenses, à l'accueil du public. Ben des récompenses, le film n'en a pas eu des masses, ou plutôt si, la plus belle. Je pense que le film a fait littéralement l'unanimité vis-à-vis du public, que ce soit le public catholique qui reconnaît dans le film et qui admire surtout sa fidélité sur les saintes écritures, et le public cinéphile ébloui bien entendu par ce casting qu'on vient de citer, ébloui aussi bien sûr par la prestation de Robert Powell dans son rôle, et ébloui par le film tout court, quelque part un biopic sur la vie de Jésus. Quand ce film est sorti, il faut savoir qu'il y avait déjà des films sur la vie de Jésus. Je pense notamment au Messie, le Roi des Rois, la plus belle histoire jamais comptée, et mis à part peut-être Ben-Hur, bien entendu, qui fait aussi quand même référence un peu à la vie de Jésus, mais je veux dire en propre biopic pur sur la vie de Jésus, rien n'avait été fait de mieux auparavant, et je pense sans me tromper que rien n'a été fait de mieux après, ni la dernière tentation du Christ, ni encore moins la passion du Christ de Mel Gibson arrive aujourd'hui à mettre de l'ombre dans ce magnifique film, dans ce chef-d'œuvre donc de Franco Zeffirelli. Voilà, c'est quasiment tout pour cette vidéo. Maintenant, si vous voulez replonger dans ce peplum extraordinaire, parce que moi personnellement je n'appellerai jamais le film de Zeffirelli une série ou un feuilleton, moi je trouve que c'est un film extraordinaire, un long métrage magnifique, ben je vous conseille vivement de regarder, et même bien sûr d'acheter cette édition collector Digipack. C'est une édition collector Digipack qui contient à l'intérieur la version longue de Jésus de Nazareth, donc c'est-à-dire 6h20 exactement de film, et surtout aussi, et elle est vraiment géniale, c'est un petit bijou, une interview exclusive de Franco Zeffirelli, en français s'il vous plaît, qui raconte un peu son Jésus de Nazareth à lui. Je tiens à préciser aussi qu'il y a une édition toute récente, haute définition du film Jésus de Nazareth qui est sorti. Vous pouvez d'ailleurs voir la photo ici sur le côté, enfin ici ou là. Mais franchement, là, pour moi, l'échange n'est pas indispensable. Tout d'abord parce que niveau haute définition, le son est exactement le même que sur celui-ci. C'est du 2.0, aussi bien en anglais qu'en français. Et puis, l'apport de l'image n'apporte pas vraiment grand-chose en plus, mais surtout, ce fabuleux, ce merveilleux Digipack qu'on présentera dans quelques mois, ou en tout cas dans une prochaine vidéo ultérieurement.
Ce superbe digipack a disparu, ce n'est plus qu'une petite pochette Blu-ray en plastique avec un slipcover en carton dessus. À la rigueur, faites comme moi, attendez que les prix chutent, attendez les soldes. Si vous tombez dessus à une dizaine, quinzaine d'euros, sautez-y et vous pouvez switcher les galettes. Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et dans une moindre mesure Amazon. Et surtout, 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 abonnez-vous à la chaîne comme vous êtes occupé à le faire de semaine en semaine. Ça nous touche énormément et ça nous donne envie d'en faire toujours beaucoup plus. À très bientôt. Salut les gars, gros bisous. Ciao.